And we're down, we go. Coucou à tous! Alors aujourd'hui, on s'intercale une petite review entre deux cours à l'occasion de l'inauguration du Hype Vap de Ramonville-Saint-Agne. Et ça fait plaisir. Donc on fait des gros bisous à toute l'équipe Hype Vap. On fait un gros bisou à la Joanie Prod, Arnaud, Mehdi, Carole, tous ceux que j'oublie et qui m'ont si bien accueilli à la Vap Expo. Ils m'ont foutu les larmes aux yeux, c'est con! Donc j'espère que vous allez vous allumer ce soir et je vous souhaite tout ce qu'il y a de meilleur dans cette entreprise. Vous déchirez, honnêtement. Joanie Prod, c'est là. Du coup, pour fêter ça, on se fait la review complète de la gamme Funny Juices. Alors, 4 liquides disponibles au format 50 ml, nicoboostable en ratio 40-60. Le premier des 4, ouvrons le petit coffret. Alors là, pour le coup, c'est vraiment de la review improvisée. Hein. Ça m'a pris comme un pet au casque, sur un coup de tête. Et c'est entre deux cours. Voilà, j'ai eu 4h30 ce matin. Il m'en reste 3 cet après-midi. Il me reste un quart d'heure. Qu'est-ce qu'on fait quand il reste un quart d'heure? On fait une review. La putain de sa race. C'est bien enfiolé. Bravo au labo que je citerai à la fin. Alors, donc, Funny Juices, on commence par le bonbon chlorophylle fraîche. Sur le matos, on est sur la petite box de chez Vaponaute. Toujours aussi merveilleuse. Et au-dessus, on est sur un Dripper Armor clone qui marche pas mal du tout. Un gros bisou à Kutsenko. Du coup, on parlait d'un bonbon chlorophylle fraîche. C'est impressionnant de voir à quel point on peut se rapprocher du goût d'un chewing-gum chlorophylle. C'est exactement la même sensation. On a vraiment le chewing-gum à la chlorophylle, dont on ne citera bien évidemment pas la marque Hollywood, et ça y ressemble énormément. C'est, voilà, on a l'impression, tu croques dans le chewing-gum, et les premières bouffées de salive qui enveloppent le truc, c'est exactement cette saveur. Pas de goût parasite, c'est très bon. C'est un all day. Pour ceux qui bouffent des chewing-gums à la pelle, machin, plutôt que de choper, Alors, avant on était plus sur la mode des diabètes avec le sucre, maintenant c'est les cancers avec l'aspartame. Passez là-dessus, sans déconner, ça fera moins de mal. Alors, deuxième jus, le citron vert limonade fraîche. Il me semble que celui-là je l'avais goûté, j'avais dû l'ouvrir quand même le petit coffret, parce que celui-là il m'intriguait. Donc du coup, deuxième, citron vert limonade fraîche. C'est parti, mes kiki. Bref. J'espère que vous, tout va bien. Là, la review, elle est tournée à 13h56, le 20 octobre. Donc ce soir, à partir de 20h, 19h, 20h, je ne sais plus, gros apéro inaugural. Petite limo sympa, un bon goût de citron vert, bien présent en bouche, pas trop acidulé. Toute la ligne est fraîche, hein, mais sans trop l'être. Voilà, on n'a pas une grosse attaque en gorge avec des bons gros additifs bien dosés. Là, c'est un jus doux, voilà. Je pense que c'est plus destiné à être vapé cette gamme sur atomiseur que sur dripper. On se rappellera bien évidemment de Cédric, donc du magasin Dive Vap, Ramonville-Saint-Agne, qui m'avait fait goûter. Alors, c'était quoi à l'époque? Les fruits-y sur un river. Il faisait très chaud, c'était l'été dernier. Ça a fait du bien, ça a rafraîchi, il n'y a aucun doute. Donc un gros bisou à Cédric, s'il regarde cette review. Toujours ce problème de cloison nasale droite-gauche. Donc voilà, citron vert, limonade fraîche, un super jus, bien sympa. Ensuite, on enchaîne, alors là...
Je vais garder le plus original des quatre pour la fin. Il y en a un qui m'intrigue et a raison. Le troisième jus, du coup, on part sur réglisse framboise fraîche. Un bon goût de framboise, fruit, pas framboise bonbon pour moi. On a cette petite acidité, vous savez, les petits. Alors c'est fort ça aussi. Les petits bouts qui craquent dans les dents quand on bouffe une framboise. Donc il y a les gros bulbes qui contiennent la pulpe qui donne le goût acidulé. Et t'as les petits poils entre les. Entre les bulbes. Et c'est. Alors la réglisse peu présente. C'est bien en même temps, si ça avait pris le pas, ça aurait été un peu écœurant, je pense. Mais là, un bon mélange bien équilibré de framboise, fruits et de réglisse, tout doux. Par contre, sur le réglisse, c'est pas un goût de bâton de réglisse que tu mâches et tout. C'est plus du réglisse bonbon. C'est des petits trucs noirs à enrouler. Peut-être le sucre aussi qui me fait penser à ça. Mais là, c'est plutôt un réglisse bonbon. Et toujours cette petite fraîcheur bien agréable. Légère en bouche, c'est agréable, voilà. Faut toujours pousser, faut pousser les watts, faut pousser au niveau des additifs, faut que ça tabasse comme pas possible. Non, un petit jus simple, avec une petite pointe fraîche pour relever, pour pas que ce soit écœurant, qu'on se tape pas une aguesille au bout de 60 millilitres, enfin. Ça relève, c'est équilibré. Moi, ça me va. Troisième jus, du coup, réglisse, framboise fraîche, c'est validé, c'est très bon aussi. Et pour terminer, alors là. Fruits du dragon, pitaya et corossol frais. Corossol, ça parle à quelqu'un? Moi personnellement, pas des masses. Du coup, corossol, alors j'ai pas fait de recherche préliminaire et j'ai pas eu le temps. C'est vraiment la review sur un coup de tête. Mais ce corossol, ça m'intrigue. Il me semble de mémoire avoir déjà goûté ce liquide au Hypevap de Ramonville. Cédric, tu me confirmeras ça. Il me semble que tu me l'as fait goûter juste avant que je parte, celui-là. Ouah, pute. C'est bon, ça. Oh la vache. On va se monter un peu, ça glougloute. Le goût du pitaya, je connais bien. J'en ai vapé celui de chez Revolut, notamment, qui était très bon. Là, on arrive à associer. En général, quand vous allez trouver des liquides fruits du dragon, pitaya du coup, vous les trouverez seuls. Je pense notamment à celui de chez Revolut, qui existe en daï. Je pense à celui de chez Millésime aussi. Là, du coup, c'est un premium nico-boostable. Mais on en trouve rarement associé du fruit du dragon. Et bah, c'est pas dégueu. Alors, Corossol, voilà, on va quand même se taper une petite recherche pour pas mourir bête. Qu'est-ce que le Corossol? Corossol, aussi appelé Corossol épineux, piaf piaf, ou encore Cachiman, est un des fruits des arbres du genre Annona, le fruit du corossolier qui pousse en Afrique, en Amérique et en Asie. Et quel goût ça a? Comment je décris le goût, moi? Afrique, Amérique, Asie, description, 25 cm de long. Ah ouais, c'est un beau fruit quand même. Hein. Aspect extérieur vert sombre. Ouais, je vous intégrerai une petite photo du coup du Corossol pour vous voir la gueule que ça a. Avec des gros pépins à l'intérieur. Voilà. Je reviens vers vous. Donc du coup, eh ben, merci à Arnaud de m'avoir filé ces petits jus pendant la Vape Expo. Nos petits coffrets et tout. J'ai été très très bien reçu sur leur stand. Ça m'a fait chaud au cœur. J'ai discuté un petit moment avec Carole et elle m'a quasiment foutu les larmes aux yeux. Parce que putain, c'est. Je m'attendais pas à un accueil comme ça. Je savais que la review. Des fumeurs repentis leur avaient fait plaisir, mais ça m'a touché au plus haut point, putain de merde, d'être accueilli comme ça. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur, quoi. Donc, bah, je vous fais tous un gros bisou. Faites-moi un super apéro ce soir. Défoncez-vous et puis, bah, prenez soin de vous aussi. Merci à tous. Merci à toute l'équipe de Hypevap pour son soutien. Je vous vois sur les réseaux. Merci à l'équipe de Joigny Prod. Voilà, c'est devenu des copains. Et puis, bah, ça me fait plaisir. Ça me fait vraiment plaisir. Donc, je vous fais des gros bisous à tous. N'hésitez pas à aller les goûter, ces petits fenêtres juicy, c'est bon. Si vous cherchez un bon tabac, allez voir la gamme Les Fumeurs Repentis. Et puis bah moi je vais aller en cours. Je vous fais des gros bisous. À la prochaine et bonne vape.